Ben, salut les amis, comment allez-vous? Bon, heureusement que nous avons pu identifier la technique Moshi. Bon, le témoignage que nous avons reçu aujourd'hui, un frère qui nous a fait parvenir ce témoignage, ce qui est déjà connu de tous, c'est éventuellement l'infiltration. Des grandes villes au niveau de la Fédération Congo. Et plus spécialement, ici nous voulons parler de Ndjindji, hein? Ndjindji, que vous avez l'habitude d'appeler Pointe Noire. Bon, ce frère vient de nous envoyer un message audio en nous disant qu'il était parti payer des impôts là-bas, il a acheté une propriété là-bas. Il est arrivé au bureau des impôts du côté d'un tchétché là-bas. Le frère me dit que on ne parle que le moshi là-bas, que des moshi. Comprenez? Il dit il y a une ségrégation terrible au niveau des administrations. Des Mboshi, des forces d'occupation sur les territoires Congo. Que les Mboshi, que le Mboshi. Bon, ça c'était connu. Ça faisait partie du plan des Mboshi et des Nordistes et de Sassou d'envahir les villes dans le territoire Congo. C'est-à-dire qu'ils ont pris les gens dans leur village là-bas. On les a tous déversés chez nous. Vous voyez, en Pangala, ils sont là-bas, partout, ceux qui contrôlent. Vous voyez, à Muyondi, ils sont à Madingou, ils sont là-bas. À Sibiti, ils sont là-bas. Même au fin fond de nos petits villages, Bambama, ils sont là-bas. Ils sont là, à Mayoko. Ils sont à Lobomo. Ils sont à Mossenjo, ils sont à Makabana. L'envahissement total. Surtout, Ndjindji, c'était le point véritable d'envahissement. Parce que dans leur objectif, il faut renverser les populations. Et ces gens-là viennent avec une instruction ferme. Bombarder les enfants, bombarder les enfants. Hein? Au fur et à mesure qu'on bombarde les enfants, et les nôtres, ils sont assassinés. Les nôtres subissent. Hein? Les nôtres subissent. Et c'est les techniques qu'on vous avait déjà expliquées. C'est-à-dire que ils tuent les nôtres. Quand les nôtres se présentent dans les hôpitaux, ils sont automatiquement assassinés. On ne reconnaît pas les noms, on les assassine. On envoie les Congos vite à la mort pour nous remplacer par les Mboshi. Ce sont les techniques de renversement de la population, de créer une majorité populaire par le biais du crime, par le biais du génocide silencieux, hein, secret, hein. Et c'est ce qui se passe. Donc ce frère m'a envoyé un audio que je ne peux pas jouer ici parce que il y a sa voix à l'intérieur et j'ai le droit de protéger le message, sa voix, hein, parce qu'on peut l'identifier par sa voix. Hein. Il dit que il y a que des Mboshi, que des Mboshi. Il arrive dans une administration que des Mboshi. Il dit mais c'est pas possible. Mais heureusement pour notre peuple, heureusement pour notre peuple, que nous avons décelé la problématique. Hein? Nous avons décelé le plan caché, hein, de ces gens. Et nous nous sommes levés, nous nous sommes positionnés d'une manière claire. Vous comprenez? Heureusement que nous l'avons fait. Sinon, mais on l'a fait avec un grand retard. Hein? Je le regrette amèrement. Ce que nous avons fait, nous aurons dû peut-être le faire il y a 5 ans passés, 6 ans passés, 7 ans passés, ou même 10 ans passés. Vous comprenez? Mais ce n'est pas grave. Néanmoins, nous avons saisi la problématique et nous avons préparé notre peuple. Nous subissons l'envahissement, nous subissons le grand remplacement. Non pas seulement, ils nous tuent secrètement. Voilà pourquoi vous voyez, les taux de mortalité chez les Congos ont beaucoup augmenté. Si tu vas à l'hôpital, votre enfant est malade, rapidement, rapidement, on injecte quelque chose à votre enfant. Et ça se passe chez les Congos. Comprenez? Les Mboshi ont envahi, même le fin fond, ils sont même à Muyondi. Mais si vous comprenez,
Surtout Ndjinji est devenu leur territoire. Les Mbossi sont devenus dominants, les nordistes. Là où on parlait, le Kikongo devient le Lingala. Est-ce que vous comprenez? Et ce cri de cœur de ce frère, il me dit, mais c'est pas possible, une ségrégation. Donc, ce type-là a créé la ségrégation des Kémites parmi les Kémites. Mais il s'agit d'une ségrégation des envahisseurs. Hein? On a écarté les ayants droit, les autochtones, le peuple authentique Congo qui vit sur cette terre. On les a tous écartés. Donc nous ne participons à rien. Voilà pourquoi tous ces gens qui nous parlent de vivre ensemble, tous ces gens qui nous parlent du Congo est indivisible. Mais vous êtes totalement perdus, est-ce que vous comprenez? Vous êtes totalement perdus. Et là encore, c'est des témoignages. Ceux qui sont sur le terrain le savent. Est-ce que vous comprenez? Vous êtes totalement exclus de l'économie, vous êtes totalement exclus de l'emploi, vous êtes totalement exclus de l'éducation, vous êtes totalement exclus même dans vos propres déplacements. Est-ce que vous comprenez? C'est une colonisation que ce type a imposée. Et nous n'avons qu'une seule décision à prendre, c'est de se maintenir, de tenir bon dans le contexte de la Fédération Congo. Et quand nous entendons ce genre de témoignages, ça nous donne de plus en plus encore de la force et de l'énergie d'aller simplement de ne jamais lâcher. Hein. Ça nous donne encore de l'énergie. Et tous ces témoignages, c'est bien parce que dans les rencontres qui suivent, on va jouer ces genres de témoignages et on mettra les traducteurs. Hein. Comme ça, ceux qui sont en face de nous écouteront le cri de cœur, la ségrégation dont nous sommes victimes, la souffrance dont nous sommes victimes. Est-ce que vous comprenez? Et les gens, les interlocuteurs, ceux qui sont en face de nous comprendront que la situation est chaotique et que c'est le cri du cœur d'un peuple qui vit paisiblement sur ses terres et qui se met à tout moment à crier, qui n'arrive pas à obtenir l'aide nécessaire. Est-ce que vous comprenez? Donc nous ne pouvons, dans ce contexte, lâcher la prise. Nous devons, il va falloir que nous augmentions la force de notre énergie. Il faut que nous maintenons le cap. Il n'est pas question de tergiverser. Il n'est pas question de penser qu'un sauveur reviendra de. D'ailleurs, il est question de maintenir la force et l'énergie pour y arriver. Et c'est cela. Tous ceux qui nous parlent, oui, on va aller prendre 400 millions, 6 milliards. Oui, je vais là-bas pour retrouver ma mère. Ce qui vient nous dire, mais vous avez créé un pays, allez-y enlever sa sou. Mais vous êtes perdu. Mais vous êtes perdu. Donc vous comprenez, vous croyez que nous avons mis ce pays-là, c'est pour croiser les bras et laisser ces gens-là nous dominer, laisser ces gens-là nous écraser, continuer de nous écraser. Est-ce que vous croyez? Vous croyez que nous avons mis ce pays-là simplement pour les. Par les paroles, c'est ce que vous croyez. Vous croyez que les cris du cœur de ce peuple-là, nous allons les laisser comme ça avec les crimes? Non, pas du tout. Nous sommes dans le monde où on a dit c'est la fin de la justice. Il va falloir que tous nous devenions des bourreaux en face, des gens. Est-ce que vous comprenez? On n'a pas de choix. On n'a pas le choix. Aujourd'hui, nous avons compris que nous sommes dans le monde de la prédation. Si vous ne vous préparez pas, si vous ne s'armez pas, rien ne va se passer pour vous. On va continuer de vous écraser. Et ça dure maintenant trop de décennies. Il est temps que notre peuple comprenne la problématique. Ndjinji envahi par les techniques de renversement de la population. On tue les Congos. Les Mbossi sont partout. Et demain, vous allez vous réveiller, vous allez dire, les Mbossi sont devenus majoritaires. Vous allez dormir, le lendemain, vous allez vous réveiller, on va vous dire, oh, Ndjinji est devenu désormais une ville Mbossi. Non, pas du tout, ça ne peut pas se faire. Tenez bon, frères et sœurs, chers pères, chères mères, chères sœurs, chers enfants, chers cadets, chers oncles, maintenant le cap, c'est une question de notre survie. Vous devez savoir une chose, nous vivons ensemble, nous mourons ensemble. Ça, c'est devenu la nouvelle devise que nous devons désormais adopter. Il s'agit ici des Congos, de Mpangala, Bouenza, Niadi, Lokumu, Luango. Nous n'avons pas le choix. C'est de chasser ces gens par tous les moyens. Hein? J'ai entendu un individu dire,
Oui, il dit, puisque Olga a dit que nous allons vous exécuter tous les traites. Et si je n'ai vu, vous l'avez dit, vous avez le sang dans vos mains. Mais vous êtes malade, vous êtes totalement perdu, vous ne comprenez rien, vous ne comprenez que dalle. Nous sommes envahis par des forces d'occupation. Mais vous ne pouvez pas aller vous agenouiller auprès des forces d'occupation. Aller s'agenouiller auprès des forces d'occupation, c'est jouer à la traîtrise pour notre peuple. C'est cela. Parce que c'est ça le plan. Vous envahir, vous asphyxier, vous couper les emplois, vous couper les vivres, afin de vous faire soumettre. Et il a réussi de le faire. Afin de vous embarquer aussi, nombreux dans les loges, en train de vous sodomiser, récupérer vos enfants, récupérer vos épouses. Et si vous comprenez. Voilà la problématique. Si vous êtes un fils Congo, vous avez un cerveau clair dans vos épaules. Tous, nous devons adopter une attitude de sévérité en face de ces criminels. Il n'y a plus d'amour avec eux. Vous êtes en face d'un tueur à gages et vous voulez jouer à oh, laissez-le, c'est bon. Mais c'est un sniper. Il va vous cibler, c'est clair. C'est l'autodéfense. C'est une légitime défense pour notre peuple. Et partout ailleurs, tout le monde parle des armes. Vous vous refusez la guerre. Vous refusez la guerre. On est obligé d'emmener la guerre pour protéger notre peuple. Parce que l'ennemi est là pour la guerre. L'ennemi est là pour tout arracher. L'ennemi est là pour nous emmener dans la famine. On ne peut plus tergiverser. Continuez de prier pour nous. C'est le plus important. Et que le dernier verrou s'ouvre pour que nous puissions avoir les armes nécessaires que nous sommes en train de demander et le type d'armes spécifiquement que nous voulons. Peuple Congo, la vigilance, parce que déjà nos villages, on est en train de renverser la tendance des populations, le grand remplacement. Mais si vous avez le sang royal Congo, un sang royal Congo, vous n'allez plus continuer à quémander au Mboshi, qui pille vos propres ressources naturelles et qui vous fait comme ça, tchongi, 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 tchongi. Faut les dégager. Dieu au contrôle, les ancêtres sont au contrôle. C'était juste vous faire part de la petite inquiétude que j'ai venu de recevoir il y a quelques minutes. Allez, merci, à la prochaine. Mukongo kile manzao, mukongo kile koko kongitali, koko kongitali, koko kongitali. Matona nguli ambote, abu, abu pia.